qui rate le filet, ça s'en va du côté de la droite. Tourigny qui laisse Akima à la pointe gauche vers Plamondon. Dans l'enclave, Pêche, c'est un bel arrêt du gardien Rousseau, dégagement des Huskies, arrêté à la ligne. De Bonnefond qui tentait de rejoindre Lacerte à sa gauche. Lacerte avait dû toutefois s'arrêter pour ne pas créer de hors-jeu. C'était devenu statique. À partir de là, c'était pas tellement une bonne option de passe. La reprise à la droite du Trifluvien William Rousseau. La chance qui touche la rondelle à l'aigle adverse. Non, c'est parlé par Forget, s'approche dans la cave, laisse derrière à Bergeon, mais les deux n'ont pu tirer. Contre-attaque rapide des Huskies. Perron, il est à la gauche. Passe au centre pour Zolon devant le filet. Et la fête et le but. Oh, quel jeu de Verdon. La passe magique de Bill Zolon. Les Huskies prennent l'avance 1-0. Tout un jeu. Dommage. Parce que les Cataractes venaient d'avoir une chance de marquer suite à un revirement. Forget était dans l'enclave, mais on l'a soulevé son bâton. Claude, il a perdu la possession du disque et à partir de là, la contre-attaque a été meurtrière. C'est 1-0 à ski. La contre-attaque a senti qu'il y avait un petit morceau de viande avec lequel se nourrir et c'est un tic-tac-toe. La fin de Verdon, elle était magique pour coucher le gardien Mathis Fernandez, mais l'entrée de territoire qui a été faite, la passe de William Rousseau, qui sera notre invité d'ailleurs au premier entracte. Et la mise en jeu rondelle devant le filet. Oh, bel arrêt de Mathis Fernandez, alors que c'est Savoie qui est venu tirer à bout portant. Dégagement arrêté à la pointe droite. Quelqu'un à qui remettre. Et là, c'est un capouillage par les Cataractes dans leur zone. Car il va de tir. C'est rendu jusqu'au filet, mais le gardien Fernandez retourne la rondelle derrière son filet. Verrou, la passe devant. Bel arrêt de Fernandez. Un autre arrêt du gardien des Cataractes. C'est vraiment un mauvais jumelage défensif. Quand tu travailles homme à homme, Claude, s'il y en a un qui perd son joueur, ça devient problématique. C'est ce qu'on a vu là-dessus. On reprendra la droite de Mathis Fernandez, Roy. Intervention du défenseur Plamondon. Son également manquait de vigueur, mais c'est repris au passage par Klima. Un contre un dans le territoire des Huskies. S'en va vers le centre. Tire du revers. Bel arrêt de William Rousseau. Et il y aura mis en jeu dans le territoire des Huskies. Un jeu surprend le défenseur, mais il y a une sortie des Huskies Turcotte dans le territoire des Cataractes à l'aile gauche. Enlève la rondelle à Polak, passe devant le filet. Le stoppé par Fernandez. Le retour qui est libre, ça s'est promené tout près de la ligne de but. Ils sont en train de prendre le momentum du match en ce début de deuxième période. On s'approche de Rousseau, on teste à bout portant. J'aime le fait que les tirs des Cataractes ce soir ont plus de mordant qu'à l'habitude. Et des tirs cibles qui proviennent de l'intérieur des cercles de mise en jeu aussi depuis le début de la deuxième période, ce qui complique pas mal la tâche du gardien de but, William Rousseau, mais il a été parfait jusqu'à maintenant. Il s'est repris par Mathis Perron pour les Huskies à la ligne bleue des Cats vers Samuel Rousseau devant le filet pour Langlois. Il a de la place, le tir est sur la barre. Et non, l'officiel signale qu'il y a but. C'est 2-0, Rouyn-Noranda. Oh, quel dommage pour les Cataractes qui jouaient tellement une bonne deuxième période. En attaque, il était seul, mais complètement seul avec Fernandez. Claude, il a déjoué du revers, c'est 2-0. Oui, de mon point de vue, je croyais que c'était la barre horizontale, mais à la reprise, effectivement, c'est clair et net. La rondelle est entrée à l'intérieur, alors on a surpris les défenseurs des Cataractes avec ce surnombre et l'opportunisme des Rouyn-Noranda leur donne deux buts d'avance. C'est une séquence qui fait mal. Langlois est un défenseur, un vétéran, Claude, qui a flairé qu'il y avait de l'espace libre. Il a pris cet espace. Roy vient prendre la rondelle. Roy passe à gauche pour Lacerte. Lacerte, il est près du cercle de mise en jeu. Derrière, c'est pour Tourigny. Tourigny à droite vers Klima. Klima à gauche, c'est à Lacerte. De l'enclave, tire le but! Félix Lacerte. 30e but de la saison pour le joueur de 17 ans des Cataractes. Et il arrive au bon. Vigilance de William Rousseau. Le cap des 30 buts pour Félix Lacerte. C'est un tir, si j'ai bien vu, c'est qui a touché la partie intérieure du poteau à la droite de William Rousseau. Ça a pris un tir parfait pour l'arme de vétéran gardien de but. Et les Cataractes réduisent l'écart en un but. 6 minutes 11 à faire en deuxième période. Un tir qui a peut-être dévié sur le coureur devant la serre. William Rousseau, Claude, a été battu par la vitesse du tir, carrément. 2-1, Huskies. 30 secondes de jeu en troisième, 45 secondes à l'avantage numérique des Cataractes. La certe à la ligne bleue, passe Eli, sa main vers l'enclave, passe à Tourigny devant le tir, le but! Yéry Klima, tic, tac, tôt. Quel but! La défensive des Huskies, on s'est donc offert une chance de marquer de qualité en 1. Et c'est Klima qui termine le travail d'Eli et Tourigny et qui crée l'égalité 2-2.
Eli aurait pu tirer. Tourigny aurait pu tirer. Mais au lieu de ça, on a passé à Yeri Klimak. Et évidemment, le gardien Rousseau, lui, était complètement hors position. En raison des menaces que les deux précédents joueurs représentaient, les Cataractes créent l'égalité en avantage numérique. Ben, la première passe, elle était très belle vers Tourigny. Donc... on est en zone centrale. La rondelle qui est sortie. On juge que non. Et c'est Burrush qui a la rondelle à la pointe gauche. Passe à la ligne bleue. C'est capté par Fernandez. Belle arrêt de Michel du gardien des Cataractes. 9-52 l'affaire en troisième période. L'égalité de ce soir. Et oui, ça promet si ces deux équipes-là devaient s'affronter à nouveau cette année en séries éliminatoires, parce qu'ils se sont affrontés l'an dernier, en 2022, en 2019, en 2016. Il y a un historique d'éliminatoire entre les deux formations. Des Huskies s'en revient en zone de Juan Randa. Buteau a passé vers Cock, défenseur gauche. Passe au centre et c'est Turcotte qui va s'emmener devant Fernandez. Le tir bloqué. Bel arrêt du gardien des Cataractes. S'avance. Un autre tir. Fernandez, encore une fois, ferme la porte. Et là, le jeune portier des Cataractes vient de mettre son empreinte sur le match de ce soir. Ça fait deux ou trois. Sauf qu'il réussit à remettre la rondelle à Burrush. Burrush tente de passer la rondelle, mais c'est raté. Ménard reprend pour les Chamonix-Canais. Ménard passe intercepté. Véro qui s'avance. Passe à l'autre côté. Oh, bel arrêt! Encore une fois, Mathis Fernandez qui a été brillant dans les derniers instants. Vient de sauver la situation pour son équipe. Alors, troisième période. J'ai vanté beaucoup Rousseau dans les deux premières périodes. En troisième, Claude, je lève mon chapeau à Fernandez. Il est incroyable. C'est un 28e lancé par les Huskies dans le match de ce soir. Et là, il a été particulièrement brillant. Jeune gardien des Cataractes. Toujours l'égalité 2 à 2 entre les deux formations. Et une reprise arrêtée par Véro. Langlois qui a la rondelle près de la ligne bleue. Langlois s'avance dans le cercle de mise en jeu. Son tir devant est devié. Le but. Lochko fait 3 à 2 pour les Huskies. Ouais, la passe était parfaite. Mais en fait, Claude, je ne suis pas sûr que c'est une passe. Je pense que c'était un tir. En tout cas, si c'était une passe, ce que je retiens de la dernière séquence, c'est que Véro, l'ailier, a battu Vincili Claude clairement au cercle de mise en jeu. Et c'est ce qui a fait que les Huskies, en fait, ont une belle chance de marquer. Dans le cas de Lochko, c'est son 28e but la saison et la rondelle semble avoir dévié sur son patin. Et on n'ira pas à la reprise vidéo du côté des Cataractes. Cependant, on proteste. Mais ça n'ira pas plus loin. 3-2 Huskies avec 4-46 à faire en troisième période.